Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version platine. J'ai eu un moment d'hésitation, hein, vous l'avez senti. Dans ce nouvel épisode qui est l'épisode 33, normalement. Donc bienvenue dans cet épisode 33 et j'ai enfin retrouvé le nom de la personne. C'est Galius, mais oui, Galius, je suis trop con. Punaise, comment j'ai pu oublier ça quoi, j'ai vraiment des trous de mémoire des fois. C'est même pas la peine d'essayer de me faire rappeler, hein, parce que ça m'est arrivé pendant certains contrôles. Je savais comment calculer 1 plus 2 et puis d'un seul coup... Pff, voilà quoi, c'est un exemple comme ça, mais... Voilà quoi, bon. Allons-y, perdons pas de temps. Allons au prochain Pokémon légendaire. Un truc rose. Alors, celui-ci est un Pokémon dragon et aquatique. Aquali va pas être très bon en premier Pokémon, d'ailleurs. Il y a eu une sauvegarde de beaucoup de données. Alors, on va mettre Lucario en premier, histoire d'essayer de le paralyser un peu. Et je re-sauvegarde parce que si je fais un reset, j'y penserai pas et j'irai tête baissée dedans alors que j'aurai encore Pierroli en premier. Dans mon habitude, c'est comme ça. Là, de l'autre côté de la faille, dans un endroit terriblement étrange, c'est Palkia. Allez, vous défiez Palkia. Allez, viens là, espèce de méduse préhistorique. Le gars qui l'insulte, c'est... C'est la même musique que Jilga. La sauvegarde qui va bien, vous inquiétez pas, hein, ça bloque, mais c'est normal, c'est moi. Forte paume. Espérant la paralysie. Il commence direct avec son attaque ultime. En parlant d'attaque ultime, j'ai réussi à faire fonctionner Laver Media, les amis. Laver Media, oui, le truc pour filmer sur PS4. Et PS3 si on a un truc. Et Lucario va se faire balayer, mais ça c'est pas grave. Donc, je pourrais... Bon, là, en ce moment, je peux que filmer sur PS4. Mais je pourrais, si j'ai un adaptateur, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est un espèce d'adaptateur, je pourrais filmer sur PS3 et faire quelques petites vidéos dont j'avais envie, des vidéos de présentation de jeu, mais vu que j'ai déjà 4 séries de lancer, ce sera vraiment à la fin d'une des 4 séries. Enfin, d'une des 3 séries, hein, parce que la Pokémon, c'est sûr que ça va être un autre Pokémon après, hein, forcément. Mais l'une des 3 séries, soit Saints Row, soit Skyrim, soit Dragon Quest, à mon avis, la première que je vais terminer, ce sera Saints Row. Parce que Dragon Quest et Skyrim, c'est vraiment les jeux les plus longs que j'ai jamais vus. Donc à la fin de ces jeux-là, il y aura peut-être une vidéo que j'aurai filmée sur la PS4 ou sur la PS3. De toute façon, d'ici là, j'ai le temps de me préparer. J'ai vraiment le temps de préparer tout ça. À mon avis, là, tous les... Bon, à part peut-être, ouais... La nouvelle version Pokémon, elle va pas durer toutes les grandes vacances, à mon avis. Donc, il se peut que... Voilà, quoi, ça... Il faut que je trouve une nouvelle série après les Pokémon. Parce que là, c'est la dernière... J'ai pas d'émulateur 3DS. Donc je ne peux pas faire de vidéo sur Pokémon version X et Y. La prochaine version qui viendra sera Pokémon Noir et Blanc. Et j'hésite encore entre le 1 et le 2. Noir 1 ou Blanc 1, ou Noir 2, Blanc 2. Je ne sais pas lequel je veux faire. Je vais sûrement faire d'ailleurs un petit vote sur la YGC pour savoir ce que les gens veulent surtout.
J'ai cru que j'allais le capturer maintenant avec 5 minutes, quoi. Ça aurait été n'importe quoi. Crefada a été le plus difficile à attraper. Imaginez. Ouch. Ça a fait mal, ça. Faux espoir. Bon, sinon, tiens, je vais répondre à une question qu'on m'a posée hein, aussi en message privé. Je sais plus qui c'était, hein, désolé. Imaginez, hein, j'ai une cinquantaine d'abonnés, entre 50 et 60, et j'arrive même plus à me souvenir des noms. Alors imaginez si j'en ai plus, bref. D'ailleurs, ouais, je crois que c'était Seb Lucci, un truc comme ça. Ou Lucy. Non, c'est Lucci vu qu'il y a deux C. D'ailleurs, Lucci, il a un drapeau du gouvernement mondial, à mon avis. Toi, t'aimes One Piece. Donc, bref, tu me posais la question, où en est ta map Pokémon de la région de Johto? Eh bien, la map avance. Je ne l'ai pas encore terminée. Mais la map avance. J'en suis où? J'ai terminé la ville de Rosalia, il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait la tour de Ho-Oh. Le problème, c'est que dans le mode Pixelmon, Ho-Oh n'existe pas forcément. Donc, dans cette ville, vous savez, hein, pour les connaisseurs de Pokémon, et ceux qui ont regardé ma série sur Pokémon version Argent Soul Silver, il y a un endroit où on trouve Entai Raikou Sukun, où le bâtiment est brûlé. Dans cet endroit, dans le sous-sol, j'ai mis Entei. Oh! 7 minutes, les amis! Mais non, mais c'est pas possible! Et vous voyez comment ils sont simples à attraper, mais putain! Palkia, le Pokémon espace. On dit que la stabilité de l'espace est maintenue par le souffle de ce Pokémon légendaire de Sinnoh. 7 minutes! Les amis. Oui, je retourne, j'ai envie de voir un truc quand même. Y a pas d'objet qui apparaît là? Non. Et y a rien d'autre qui apparaît. Bien. 7 minutes. Presque 8. Bon. Là, ça fait un peu plus de 8, mais 7 minutes pour attraper Palkia. En fait, ils ont commencé à baisser la puissance des Pokémon légendaires ici. Encore Crefadé, ça a été beaucoup le Pokémon le plus difficile à attraper. Il a duré plus de 30 minutes, j'ai l'impression. Et Tialga, Palkia et Krielf. Pas plus de 10 minutes, chacun. C'est n'importe quoi. Bref, donc j'étais en train de dire que ma map Pokémon, ouais, j'ai mis Entei donc dans le sous-sol. Donc Entei dans le sous-sol. Dans la tour de Ho-Oh, puisque Ho-Oh n'existe pas, j'ai mis Raikou. Parce que c'est des Pokémon qui sont censés s'enfuir, hein, vous savez, dans le monde entier, voilà quoi. Sauf que là, je les ai enfermés dans les machins, et il faudra les capturer. Sauf que généralement, quand vous arrivez dans cette ville-là, vous n'êtes pas plus de niveau 25-30. Et vous n'avez pas énormément d'argent pour vous acheter des Pokéballs. Donc, franchement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je cherche les... J'ai plus de corps de sortie, je parie. Ah, si. Je suis aveugle, c'est tout. Donc, pour ceux qui veulent la jouer RP, ceux qui sont raisonnables, joueront tranquillement, prendront quelques Hyperballs, pas énormément. Et d'autres, bah, qui veulent jouer... pas RP, quoi, qui veulent... simplement capturer les Pokémon, ce que je trouve pas trop marrant, quoi. Surtout que les Pokémon, bon, ils sont là pour rigoler, mais ils servent pas énormément, quoi. Les champions d'arène, j'ai pas trouvé un moyen pour automatiser le lancer de Pokémon, même si
ça ferait des trucs de Pokémon sauvages. Et où il faut battre tous les Pokémon sauvages pour avoir le badge. Sauf que moi, j'ai pas réussi. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais une arène, mais un parcours qui correspond à l'arène. Par exemple, bah pour l'arène du champion vol, donc du premier champion, j'ai placé un jump. Un jump assez difficile, enfin assez facile au début et difficile à la fin. Et donc vous ferez ce que vous voulez avec le jump. Voilà. Donc vous vous demandez sûrement ce que je fais ici. Ben, je vais capturer le prochain Pokémon. Que faut-il faire? On peut pas capturer le Pokémon tout de suite, bien. Et donc il va falloir que je complète le Pokédex, forcément. Donc déjà il me manque Chimpanfeu. Il me manque Capidextre. Ectoplasma, ça en fait 3. Barloche. 4. Axolotl, 5. Lumineon et Caillon, donc 6. Tentacool. Je n'ai pas vu de Tentacool. Wouah. On n'a pas vu de Tentacool du jeu. Comment est-ce possible? Donc 7, il me semble. Barpo, ouais, ça c'est normal, ils sont assez rares, donc 8. Je pense pas savoir qui ce sera, hein, je regarderai. Non, je ne sais vraiment pas qui c'est. Gardevoir. Donc là. Ça doit être toutes les évolutions d'Evoli. Ouais, c'est ça. Noctali, Philali et Givrali. Togetic. Porygon, Porygon 2, Porygon Z, je l'ai. Mais il manque Porygon et Porygon 2. Et c'est tout. Donc on a 210 Pokémon. Il m'en manque donc 17 en tout. Il me manque 17 Pokémon. Je suis en train de réfléchir à un truc parce que pour voir un chimpanzé, ça va être dur. Il va falloir que déjà j'ai affronté tous les dresseurs du monde presque et je ne sais pas où est-ce que je pourrais le trouver. Ensuite, les autres Pokémon ils sont simples à trouver, enfin simples pour certains. Le problème c'est que ça me prendrait énormément de temps et j'ai besoin de tourner du Pokémon parce que là bon, c'est le troisième épisode. J'en ai un pour demain, 2, 3, 4, 4 jours. Je tiendrai 4 jours. Donc non, ouais, bon. En 4 jours, j'ai le temps de compléter le Pokédex normalement, finalement. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de... Pour Chimpanfeu, je sais pas comment je vais faire. Je vais refaire le monde entier. Écoutez. Je vais refaire le monde entier. Je vais essayer de battre tous les dresseurs que je trouve sur mon chemin. Et pour les autres Pokémon, bah, j'essaierai de les trouver sauvages ou des trucs comme ça. Voilà. Parce que le prochain Pokémon légendaire qu'on attrape est dans cette ville-là. Je vous le dis tout de suite. Enfin, à côté de cette ville-là. Donc sur ce, les amis, je vous dis à tous, ciao à plus sur cette musique super sympathique. Et vivement, le prochain épisode où j'aurai complété le Pokédex, entraîné mes Pokémon, parce que forcément, qui dit combat, dit entraînement. Qu'est-ce que j'entraînerai d'ailleurs? Galam? Non, Lucario. Lucario, je le laisse en premier. Peut-être que Lucario sera niveau 100 la prochaine fois, hein, vous verrez bien. Et les autres n'ont sûrement pas bougé. Oui, puis je verrai. Hein. Peut-être que finalement, j'aurai complété le Pokédex d'ici ce soir ou demain.
et que j'aurai envie d'entraîner les Pokémon et qui sont tous niveau 100 la prochaine fois. On verra bien, hein. C'est une surprise. Donc, les amis, je vous dis à tous, ciao, à plus. Et l'ordi commence à ralentir, d'ailleurs. Il est bien temps que j'arrête, comme vous voyez. Donc, je vous dis à tous, ciao, à plus. Je soigne mes Pokémon, même si je pense que j'ai déjà fait, plus maintenant. Et vivement, le prochain épisode qui sera tourné dans la prochaine session. Voilà. Allez, salut à tous, les amis. On se